Salut à tous et bienvenue pour Darkest Dungeon avec notre équipe de Deadpool Dismas. Mais non, Dismas, j'avais changé, je l'avais appelé Giovanni. Bah alors Giovanni, tu as décidé de changer de nom sans me prévenir. Tu es vraiment un méchant bandit. Alors, l'épouvantail est triste et nous nous retrouvons après le tutoriel. Et moi, évidemment, à côté, j'ai joué, donc ce n'est plus une découverte pour moi, mais pour vous, ça le reste peut-être toujours. Hein. Si vous avez eu la patience d'attendre cet épisode, donc les héros soulagent leur stress en participant à ta gueule, je parle. En participant à des activités à la taverne et à la paille. Chaque activité a des effets secondaires différents. Fais des expériences pour trouver la meilleure activité pour chaque héros en fonction de ses manies. Assigner un héros à une activité le bloque dans cette dernière jusqu'à la semaine suivante, blablabla. Donc en gros, ici vous avez le bar donc pour l'alcool qui peut aussi leur rendre, les rendre alcooliques. C'est une sale manie qui les oblige à aller tout le temps au bar. Tout le temps. Les frissons du gain, donc avec la salle du jeu qui peut aussi leur fournir une manie. Non, pas une manie, mais leur faire perdre de l'argent, enfin. Mon argent d'ailleurs. Eh, vous allez pas jouer. Hein. Ensuite, nous avons la maison close. Écoutez, ça se passe de commentaires. C'est Peggy 18 quand même, hein, voilà. Et ici, vous avez la bail qui est exactement la même chose, mais avec la méditation, donc par le cloître. Enfin, cela, je ne connais pas encore tout. Je sais juste que... c'est lequel? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le transept. Le transept, bah, c'est possible aussi qu'il donne des sous à des pauvres malheureux. Mon argent qui donne mon argent à des pauvres malheureux, mais n'importe quoi. Mais je... Enfin, bref. Et la salle de pénitence. Pardon. Et donc, nous allons nous préparer pour un petit donjon, hein, parce que je sais que vous êtes là pour ça, les suspects habituels. Mais avant, non, n'importe quoi, nous allons pas nous préparer pour un petit donjon, nous allons d'abord prendre, voilà, des petits personnages. Alors, on a amélioré, on l'a passé à 3, on va le passer directement à 4. Comme ça, si tous mes héros meurent, j'en aurai quand même 4 de côté directement. C'est assez important à faire, hein. Bon, on va tout prendre. De toute façon, j'en ai 9, j'ai la place. Un Vestal, c'est bien en plus. Voilà, alors. Le bouffon, on va l'appeler Hisoka. Ouais, Hisoka, hein, pour ceux qui connaissent Hunter x Hunter. Et je ne sais même pas comment ça s'écrit. Oulala, attendez, 2 secondes. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. C'est comme ça, Hisoka, hop là, voilà. Hisoka, c'est parfait ça pour un bouffon. Une archère. Ouais. On va l'appeler... comment allons-nous l'appeler Bon, on va l'appeler Jackson. De toute façon, on s'en fout, hein, c'est la noire, c'est toujours la noire qui meurt en premier. Commentaire raciste, bonjour. Non, je rigole, hein. Évidemment que je rigole, évidemment. Ah oui, j'ai pas changé. Oh là là, d'accord, ok. En fait, si je mets pas entrée, ça ne le valide pas. C'est pour ça que Giovanni ne s'était pas appelé Giovanni. Hisoka. Les majuscules, bordel, les majuscules. Hop, donc ici c'est Jackson, on avait dit. Voilà. Et elle, on va l'appeler Sarah Connor. Voilà. Bon, je sais pas si ça s'écrit comme ça, c'est pas très grave, hein, de toute façon. C'est juste pour avoir un petit peu de... Voilà. De familiarité avec nos personnages. Et il fait nuit chez nous, hein, il fait nuit. Donc nous allons nous préparer. Voyons voir. Alors, je ne peux faire que ça. Donc on va faire ça. Des abonnés d'élimination impie retournant la lumière contre elle-même. Affronte-les et apprends comment les combattre. Termine 100% des combats dans les pièces. Alors, oui.
Si je vais les mettre déjà. Voilà, je vais en mettre certains. Je vais mettre lui, par exemple. 1250, c'est ce qui coûte le moins cher. On va faire ça. Allez, va jouer. Et surtout, tu ne me perds pas d'argent. J'en ai besoin. Les autres, ça peut passer. Ouais, peut-être Triss. Fais voir Triss. Ah, 1500. Ouais, t'es relou, Triss. Ah ouais. T'es relou, Triss. Bon, c'est pas grave, on va attendre. Elle lui a... Enfin voilà, elle a pas beaucoup de stress, donc ça devrait se passer. Et donc... Vous allez voir hein, ce que ça fait le stress, de toute façon je vais sûrement le monter un moment. Alors on va mettre... Voilà, toi tu dégages. On va mettre Sarah Connors, histoire de dire voilà qu'elle participe aussi au combat. Qu'est-ce qu'elle a? Lumière sacrée, ça c'est bien, il c'est bien, et ça j'utilise jamais. Ah c'est dommage, elle a pas des sorts génialissimes. Hein. Elle a pas des sorts génialissimes, il faudra un peu attendre pour lui changer. Mais j'ai pas assez d'argent pour l'instant. Puisqu'après, on pourra débloquer cela, bien évidemment. Allez, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, elle, sa place favorite, c'est derrière. Ah, elle a des soins aussi, ça, c'est cool. Ok, on va la prendre, on va la mettre là. J'aimerais bien prendre Hisoka aussi, histoire d'entraîner un peu tout ça, hein, bien évidemment. Soins du stress, on s'en fout. Ah, alors, bon. On va le mettre là. Toi, tu dégages déjà. Pour l'instant, je fais mon équipe. Toi, tu vas ici. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, voilà. Au moins, elle peut attaquer en plus avec... Ah, elle peut pas faire... Ah ouais, ça, c'est problématique. C'est problématique. C'est très problématique, même. Donc, toi, tu peux faire découpage, si je te mets là. Ok. Tu peux faire moisson. Ah oui, il n'y a que ça que tu peux pas faire. Bah voilà. Le problème est réglé. Et donc, il me faut un tank. Et en tank, je vais mettre Deadpool. Hein. Allez, Deadpool, il va se charger de tanker un petit peu. Et on va dire que c'est bon. On va prendre les provisions. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme provision? Je vais prendre de la bouffe. 8, ça devrait suffire. Voilà. Je vais prendre 8 torches aussi. Voilà. Peut-être une pelle et on va pas trop exagérer sur les loots parce que je suis pas si riche que ça. Et on y va, c'est parti. Ok, ok, donc bah, on va aller directement là, on va avancer. Ah, alors ça provoque claustrophobie, sauf si je mets herbe médicinale, je crois. Je crois, on va essayer. Et ouais, les herbes purifient, nickel. J'ai eu raison. Ça, c'est une statue, je suppose qu'il faut mettre de l'eau bénite. Mais ouais. Pour l'instant, ça sert à rien, j'ai pas beaucoup de stress. Allez, vas-y, fais ça. Une lumière pâle et apaisante, ouais, très bien. Ça va donner... Ah ! Dégage. Ça va donner quoi ? 20 dégâts, oui, pas mal. Ok, ça y est, ça commence direct. Moi, j'ai même pas eu le temps d'attaquer. Le soin, pour l'instant, on s'en fout, ouais. Ça attaque les deux là, derrière. On va faire ça. On va attaquer les deux derrière. Ouais, ça fait pas très mal, hein, quand même. Mais ça leur donne un malus, moins 5 précision, moins 5 critiques, ce qui est pas mal. Saignement. Ça, c'est bien, saignement. Vas-y, sur lui. Ah, critique, allez, dans ta gueule. Hop. Et on va 4. Voilà, on va s'occuper de lui. Lui il est mort, c'est bon. Il est étourdi mais bon on s'en fout un peu puisqu'il est mort de toute façon avec le saignement. Et toi accusation zélée, ouais c'est très bien. Tu as demandé un plombier? Voici la facture! Voilà. C'était la blague que j'ai préparée depuis le début de l'épisode. Là, j'étais chaud pour la faire. Chaud bouillant. Et voilà, je l'ai fait. Ça y est, YOLO. Non, il m'a fait bouger. Bah alors, cela dit, les deux, s'ils bougent, c'est pas très important. 3, 4. T'es mort, hein. Ouais, t'es mort, toi. Allez, un de moins. Ah, ça me le fait avancer. Ça, c'est pas cool, ça.
Ton héros saigne. Si tu veux, tu peux utiliser un bandage dans l'inventaire pour arrêter le saignement. Très bien. Mais je vais ne pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je vais plutôt me soigner. Voilà. De toute façon, lui, il va bientôt mourir. Hop. Ah, je ne peux pas faire ça. Très bien. Je ne peux pas faire ça. Bon, bah, vas-y, soigne-la, alors. Soigne-la, soigne-la. Allez, l'esquive du bouffon, là, Hisoka, un dieu. Et toi, tu vas mourir, hein. C'est l'heure de mourir? C'est l'heure de mourir. Allez, meurs. Voilà. Hop là. Heureusement que j'ai une pelle. Déjà, on va déplacer eux deux, là, ouais. Heureusement que j'ai une pelle, je vais pouvoir ouvrir ça. Casser ça, là, cette merde. Parce que ça fait très mal au moral, tout ça. On va remettre un petit peu de lumière. La luminosité nous apportera la victoire. Et là, il y a une chambre trésor. C'est cool. Mais il y a deux combats pour y aller. Bon, de toute façon, il faut y aller. Hein, parce que faut faire tous les combats dans chaque salle. On fait gaffe bien par terre qu'il n'y ait pas de piège. Ah, on les a surpris. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, on va... Saignement. Ah, c'est des squelettes. On peut pas les faire saigner. Ils ont pas de sang, les bâtards. Bon, bah, vas-y, fais ça. Écoute. Fais ce que tu peux. Deux. Je pense que je peux le tuer. Je peux le tuer, mais je vais pas le faire. Je vais faire ça plutôt. Comme ça, je le stun lui. Et dès que je passe à lui, je fais le jugement. Ah, ça attaque les trois. Allez, ça c'est bien. En plus, critique de 3, ça c'est cool. Et voilà, le jugement, le jugement. Accusation zélée. Hop là, les impôts. Ils ont pas survécu à la note des impôts. Aïe 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 aïe. Oh, ça fait mal, en plus ça me baisse le moral, c'est pas cool. Querelle. Du coup. Je peux faire ça? Ouais, vas-y, allez. De toute façon, je peux pas les faire saigner, donc les deux là, les deux sorts ne servent à rien. Et je perds masse de vie, ça c'est pas cool du tout. Je peux rien faire avec lui. Allez, vas-y. Protège-toi. Toi, tu te soignes. Voilà. Et toi, essaye de tuer lui, là. Ah, pas de chance. 5-5, c'est pas beaucoup, 5. 4 points de vie, est-ce que tu peux l'attaquer? Oui, tu peux l'attaquer, vas-y, tue-le. Nickel, nickel, nickel. Bon, ça sert à rien de les changer de place, hein, puisque lui, à chaque attaque, il va retourner. Donc toi, tu peux toujours rien faire, évidemment. Bon, on va attaquer les cadavres. Les cadavres! Et soigne-la, parce que là, là, elle est dans un mauvais état, là, un très mauvais état. Voilà, soigne-toi à fond. Toudoudou. Il va pas le tuer, 14 points de vie, c'est beaucoup. Querelle. Donc je pense que je vais faire le tour des quatre donjons, hein, pour cette découverte. Donc il reste encore 4 épisodes, en comptant celui-ci. Soigne-toi. Et ensuite, on verra si je fais un let's play ou pas, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de me le dire. Je vous écouterai avec grand plaisir. Et évidemment, je ne peux rien faire. Tue les cadavres! Voilà. Et il avance tout devant. Et là, t'es mort. Non, il attaque! Il attaque. C'est pas grave. Ah, du coup, je peux plus rien. Du coup, je peux pas l'attaquer. Ah, un critique, ça fait du bien, ça. C'est pas grave, c'est lui qui le tuera. Voilà. Allez, meurs. Non. Allez, vas-y. Meurs. Voilà. Elle a tout compris. Ouf. 1500 de gold. Ah, ça, c'est cool, ça. Ah, ça me fait bien plaisir. Ça me remet, ça. Des statues. Ouais, c'est bien. C'est bien, moi, j'aime bien les legs. Et là, donc, il y a un autre combat. Bon, ben, on est prêt. On est chaud patate. On les surprend, ça c'est cool. Ah, j'ai oublié de changer de place. C'est pas très grave, c'est des squelettes encore. Du coup... Bon, on va essayer de tuer lui en premier. Parce que l'arbalète, il fait un peu mal. Il attaque tout le monde en mode d'un coup, c'est chiant. 8. Ouais, c'est très bien. Et là, meurt. Meurt. Voilà, il est mort. Toi, tu vas lui noter la note. Lui montrer la note, voyons.
Ouah, moins 19. Oh là là, ça fait mal, ça. Enfin, plus 19 de stress. Ça fait très très mal, ça. J'aime pas du tout. Va falloir vite s'en occuper de lui, là, parce que... Allez. Ah, merde. Je peux pas, du coup, avec lui. Essaye de tuer lui. Oui. Il te reste plus que 3 points de vie. Une accusation scellée et t'es mort. Zélé. Et toi, par contre, vite. Allez, dégage. Meurs. Allez, toi, t'es mort. Voilà. Lui, il a plus beaucoup de vie. C'est nickel. Pourquoi j'ai moins de dégâts, là? Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est la manie. Du coup, ouais, bah, écoute, qu'est-ce que je te dis? On va le tuer. Ouais, on va le tuer parce que sinon... ça va être relou. Cela dit, je perds beaucoup de vie. Hein. Faudrait vite que je me soigne. Ah oui, je pourrais attaquer direct. Allez, vas-y, soigne-toi. Oh oui, soigne-toi. Allez, Hisoka. Tu ne sers à rien, Hisoka. Retourne derrière. Et toi, bah tu l'as. Enfin, tu le... Le conseiller squelette, là. 900, mais je... Eh, je vais devenir riche rapidement, là. Allez, ouvre. Ah, il est piégé, non. Saignement. Oh, fuck. Tout ça pour ça. Allez, on fait demi-tour. On a faim, on mange. Eh oui, on a faim, on mange, hein. C'est comme ça que... Heureusement que j'ai de la bouffe. Voilà, c'est bon. Je ne saigne plus, et du coup, on va avancer, on va avancer. Là, c'est mort, il n'y a rien. Allez à cette pièce. Donc ici, il y a un piège, hein, vous le voyez ici, là, un piège et une curiosité. Donc le piège, il est là. On regarde ici, désarmé, 70%, 50%, 50%. Donc c'est lui le plus apte à désarmer le piège. On va le faire. Les pièges repérés seront visibles seuls. Lorsque tu t'en approcheras, sélectionne un héros, puis clique sur le piège pour essayer de le désarmer. Ok, de le désamorcer. Allez, vas-y, je compte sur toi, mon cochon. Sinon, lui, c'est... Mais non, n'importe quoi... lui, c'est combien? 60%? J'aimerais bien essayer avec lui parce que ça réduit son stress aussi. Allez, on tente. Allez, un peu de challenge. Oui, c'est désarmé. Voilà. Bon, de pas beaucoup, mais ça réduit quand même. Hop, on allume la lumière. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Des sous et de la nourriture. Et si on n'est pas royal dans ce donjon, non? Eh, on n'est pas royal? Du coup, ici, il y a un autre piège, là. On va le désarmer encore avec lui. Ah, encore faim! Mais vous arrêtez pas de bouffer, les gars. Calmez-vous, vous allez grossir et... Vous allez plus rien pouvoir faire, là. Eh, non! Bon, 60%. Waouh! Par contre, j'ai pris cher. J'ai pris très très cher. Le sac est vide. Très bien. Ça, c'est cool, ça. J'aime bien. Et il n'y a pas de combat ici. Ça, c'est bien. Je suppose que... Oh putain, il va y avoir deux combats. Deux combats, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Vas-y, ouvre le sac. Dis-moi qu'il y a de la bouffe. Non, bon, mange. Ouais, tu vas manger, hein, parce que... Voilà. Parce que là, tu vas prendre cher. Ah, on les surprend, ça c'est cool. Eh, on en a beaucoup surpris. Et eux, par contre, je peux les faire saigner. Ça, c'est très... C'est une très bonne idée. Très bonne nouvelle, je vais le faire saigner lui parce que lui, il augmente le stress d'une vitesse affolante. Donc on va essayer de le tuer le plus rapidement possible. 3 de dégâts, il a 6 points de vie. Ça va pas lui faire 3 de dégâts, ça. On va quand même tenter. Ah oui, 3 de dégâts, nickel, il est mort. Et elle, après c'est elle, hein, parce qu'elle aussi, elle fait bien mal. Bon, lui, par contre, il peut attaquer que eux, donc on va lui réduire... On va réduire leur point de vie. Voilà. Sacrifice au dieu ancien. Ne saigne pas, ne saigne pas, oui. Et voilà, c'est ça que je disais. Mais ça va, il fait sur le bouffon il a pas beaucoup de stress. Maintenant il en a beaucoup. Et là, ah, saignement plus agonie, ça c'est très mauvais, c'est très mauvais. Quand un héros tombe à 0 PV, il est à l'agonie. Dans cet état, il subit des malus au stat, et tout dégât supplémentaire risque de le tuer. Ah, et oui, et oui. C'est-à-dire que le saignement peut le tuer aussi. Hein. Du coup, ben là, on va faire saigner... Ah, ça attaque les deux, et oui. Donc c'est deux... Ouais, ouais, on va faire ça. Ouais, c'est très bien. Ah, il résiste, dommage. Cantation stressante, ouais, bon, bah ben, ça augmente, hein, tant pis.
Et toi, par contre, tu heal vite Deadpool. Sinon, il va mourir. Il a pas son facteur d'auto-guérison, là. C'est pas cool. Ah. Oh, l'esquive. L'esquive qui nous met bien. Non, par contre, toi... Ouais, c'est bon. On attaque le clown. Hisoka. Ah, saignement. Ça, c'est pas cool du tout. C'est pas cool, c'est pas cool. Alors, on va soigner Deadpool et lui donner 20% de heal en plus. Voilà, ça, c'est bien. Essaye de tuer. Bah, déjà, il va... Ah, il tue les deux. Magnifique. Magnifique. Bien joué, Deadpool. Et toi, essaye de détruire l'adepte. Fais-le saigner à mort. Bah, au prochain tour, il est mort, donc... Donc là, maintenant, on est tranquille. En plus, on esquive, c'est nickel. Allez, soigne-le. Voilà. Voilà, soigne-le. Hop. De toute façon, il va mourir tout seul. Donc, je peux me permettre de soigner. Toi, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Fais ça, ouais. Ça sert à rien, mais on s'en fout. C'est pas grave. Voilà. Et toi, tu peux pas jouer. Oh, merde. Tu peux pas jouer. Bah, tu veux. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et voilà, c'est nickel. Le combat est terminé. Une eau bénite. Ouais, pas mal. Hop. On va par contre allumer la lumière. Toi, tu vas là. Et là, par contre, ouais. C'était lui, hein, qui... Ouais, 70%. C'est toi qui va désarmer. Oh non, 70%, mec, t'abuses. Mec. Ah, ça, par contre, c'est cool. Bah, du coup, je vais faire sur le bouffon. Hein. Voilà, une eau bénite. Tu as attiré la faveur. Ah, qu'est-ce que ça a fait? 32 dégâts. Bon. Je pensais que ça allait réduire son stress, là. Je suis déçu. Et là, le combat. Je pense que c'est le dernier. En plus, ils sont surpris. On en a surpris pas mal dans cet épisode. Et je peux en faire saigner. Ouais. Fais saigner les deux, d'ailleurs. Tant qu'à faire. 4 plus 4. Allez, hop là. 8. Ouais, je sais compter, ouais. par contre, on va se dépêcher de heal tout le monde. Oui. Voilà, tant pis si je fais pas trop de dégâts. Cela dit, 9 plus 2. Mm-hmm. 7 points de vie. Ah, j'arriverai pas. Hein. J'y arriverai pas du tout, je pense pas. Je ne pense pas. Allez, on va tenter. Oh, 8 points de vie. Oui, bien joué. Ça, c'est bon, ça. Et toi, essaye de faire... Ah, 8 points de vie, ça suffira pas. Dommage. Cela dit, au prochain tour, il sera mort. Enfin, pas... Là, il va faire un tour, et après, au prochain tour, il sera mort. Donc, lui, on n'a plus besoin de s'en occuper. C'est bon, il est foutu. Il est foutu. Point mort. Ouais, un coup de bouclier. Très bien. Ah, il me le pousse et tout. Et je suis stun. Très bien. Ciao. Au revoir. C'était un plaisir de te joindre à moi. Oh, le critique à 14, ça fait mal, ça fait mal. Voilà, 5. Allez, on va le tuer. J'espère que c'est le dernier combat, ça serait bien que ce soit le dernier combat. Allez, stun-le. Bon, 0, on s'en fout, c'est juste... Non, ça n'a servi à rien. Tu ne sers à rien, Triss, voyons. Par contre, si c'est pas le dernier combat, je suis dans la merde. Je vous le dis clairement, là j'ai plus de vie. Là, point mort, c'est bon. Esquive en plus, allez. Badass le Hisoka, badass. Et toi t'es mort. Voilà. Toutourou. C'est pas le dernier combat. Ouch. Ouch. Sarcophage décoré. Fais une eau bénite. L'objet n'a aucun effet. Fuck. Un antivenin? Ça n'a aucun effet. Bon, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Tente le bandage? Rien à voir. Bon, bah tant pis, on va l'ouvrir comme ça. Un trésor caché, oui. 600. Pas mal, pas mal. Et là, donc, il doit y avoir un combat. Oh là là, deux combats. Oh, on est dans la merde. Oui, on est dans la merde, clairement. Les livres, je ne vais pas les lire parce que ça change les héros et c'est pas cool du tout. Parce que ça change en bien, mais que très rarement. Le reste du temps, c'est en balle. Alors, moi, je suis pas content. Ouais. Par contre, toi, tu vas prendre cher. Alors, je vais te soigner. Et... Allez, on y va. On tente le coup.
Surpris encore une fois. Oh là là, magnifique. Magnifique, magnifique. Du coup, on va stun lui, parce qu'il va me casser les couilles. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu vas attaquer... Bah, attaque lui, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas de chance, c'est pas de chance, c'est pas de chance. Non, si je le marque, après, il va prendre plus de dégâts. Non, on va essayer d'attaquer les deux. On n'a pas fait tant que ça de dégâts. Et soigne-le, s'il te plaît. Voilà. C'est pas elle la meilleure heal, mais bon. Donc comme vous voyez, hein, si je stun lui, là, après il a 80% de résistance en plus, et toi t'es à l'agonie. Deadpool, ne meurs pas Deadpool, ne meurs pas. Ne meurs pas Deadpool. Et le bouffon aussi va mourir, Hisoka. Non Hisoka. Tue-le. Voilà, au moins un de moins, c'est déjà bien. Heal Deadpool, s'il te plaît. Merci Sarah Connors. Non, non. Et voilà, voilà. Alors là, on a le stress au maximum. Le cran de Deadpool est testé. Et nous sommes craintifs. Donc voilà, quand le stress est au maximum, soit nous avons voilà, le statut affligé. Lorsque le héros ne peut plus supporter le stress, ils deviennent affligés. Ceci se manifeste par des comportements différents et des changements de stats. Les afflictions durent jusqu'à ce que tu les envoies en traitement en ville, à moins que tu ne puisses réduire le stress à zéro durant la quête. Donc voilà. Donc les afflictions, c'est ça. Agonise. Ah. Et, non. Esquive. Ouh. Et il y a aussi le statut de héros qui réduit leur stress à de moitié et leur donne des capacités en plus. Donc tu te dépêches de heal Deadpool, là, parce que ça va pas. Oui, merci. Et toi, bah, essaye de le tuer. Hein. On va essayer de les éliminer le plus vite possible. Et de heal le maximum aussi, surtout. Voilà. Le gobelet, putain, un point de vie, t'aurais pu l'achever quand même. Là, on va se servir des deux juste pour soigner, parce que sinon, on sera dans la merde. Ah, 7 points de vie, ça, c'est cool. Bah, du coup, soigne-lui. Aïe, aïe, 6. Ah, bah ouais, du coup, c'est elle qui prend cher. Faudrait que je les élimine les deux là. Voilà, un de moins. Comme ça ils avancent et je peux attaquer parce que sinon... Un point de vie au bout. Aïe aïe aïe, Hisoka il prend cher. Du coup je vais essayer d'attaquer lui, maintenant que je peux. Et ouais. Et le courtisan osseux, c'est Deadpool qui s'en occupera. Donc toi tu soignes Hisoka, s'il te plaît. Merci Sarah. Non, te replie pas. Qu'est-ce qu'il fait, le bâtard? Évidemment, je perds un tour puisque je dois me déplacer, je suis deck. Alors là, c'est très mauvais, il faut que je le tue. Hein. Sinon, il va m'attaquer et mon heal ne servira strictement à rien. Et voilà, ils sont morts. Ils sont morts et je vais en chier, je vais en chier. Récupère à manger, toi, voilà. Toi, repasse devant. Et on tente. On tente. Allez, on tente. On tente, on tente le coup. C'est parti. Allez, c'est parti. Ils sont pas surpris, je suis deg. Accusation, ça c'est très mauvais. Et si le stress monte au maximum, je peux faire des crises cardiaques, hein, je vais mourir. Ça c'est très très mauvais aussi. Ouais, bah, je vais passer devant, hein, évidemment. On va essayer de s'occuper de lui en premier. Ce serait cool. Ouais, bon, elle, c'est pas grave. Si elle prend cher, c'est pas très grave. Il lui reste encore un max de vie. Par contre, c'est... Eux deux, là, c'est le pire. Oh, critique de 8, ça, c'est cool. Aïe, Sarah Connors. Sarah Connors est aux portes de la mort. Du coup, soigne-la. Ouais, merci. Voilà, elle est plus aux portes de la mort, mais elle a toujours les... Les malus, et ça c'est pas bon du tout. Eh, t'arrêtes de déprimer mes potes là, voyons. Voyons, voyons. On va en assommer un, histoire qu'il fasse pas de dégâts ce tour-ci. Lui. Voilà, il est étourdi, il fera pas de dégâts. Moi non plus, mais bon, au moins ça fait un tour en moins pour lui.
pendant qu'on s'occupe de lui, là. Nickel, il est mort. Il est mort, il est mort. Je tente de le heal ou pas? Là, essaye de tuer lui. Ah, 9 points de vie, il en a 10. Ah, je suis deg. Je suis deg. Bah, du coup, assomme lui. On va y aller petit à petit, hein, les assommant. Écoute, si je peux faire ça, au moins... 3 points de vie, c'est beau, c'est bon, j'en ai encore 7, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Du coup, tu vas assommer... Là, assomme-lui. Voilà. Résiste! Non! Non! Pourquoi? Why? Le stress continue à augmenter au-delà d'un point d'affliction. Donc voilà, c'est ça que je parlais. Si la barre de stress d'un héros se remplit complètement une deuxième fois, son corps cédera. Apporte-lui de l'aide ou remplis-toi en ville, ou replie-toi en ville, pardon. Avant que cela n'arrive, la mort nous attend tous. Ouais, mais le plus tard possible serait le mieux, hein, quand même. Toi, meurs! Merde, il est pas mort. Allez, vous deux, mourez! Un de moins. Toi, assomme-toi. Assomme-toi, n'importe quoi. Ah, ça se passe bien, ça se passe bien. Toi, t'es mort. Et lui, il est assommé, donc il pourra rien faire ce tour-ci et je vais pouvoir l'achever. C'est nickel, c'est nickel. Regarde, t'es mort. Mais cherche pas, t'es mort. T'es mort. Je peux pas attaquer. Je peux pas attaquer. Bon, ben... Heal-toi. Ouais, heal Sarah Connors. Eh, hey, du coup, c'est la noire qui résiste le plus. Elle me fait mentir. Hein. Oh là là, ça c'est... c'est bon, il est mort, il est mort, il est mort. Wow, critique de 16. Tu pouvais pas faire ça au début, attendre qu'il a plus qu'un point de vie, là. Oh, qu'est-ce que j'ai eu? Très rare. Moins 25 de stress. Oh, c'est bon, ça. Est-ce que je peux le déplacer ici? Non. Bon, on va le prendre. On va tout prendre. Et merde, j'ai pas vu, c'était quoi, ça? Retourner au hameau, oui, 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 vite, allons-nous-en. Deadpool est sur le point de crever de crise cardiaque, là. Et là, on récolte une masse de thunes, regardez-moi, 7900 plus 3000. Ah, ça, c'est bon, ça. Avec plein de blasons. Et de bustes. C'est cool, merci. Lui, les deux, là, sont montés niveau 1, ça, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que t'as eu, alors? Dernier souffle, plus 1 de vitesse si PV à moins de 50%, on s'en fout. Plus 20% de stress contre des humains, ça c'est pas cool ça. Et toi, tueur d'horreur, plus 10 précisions envers les horreurs et plus 3 critiques, ça c'est bien. Au retour au hameau! Alors, comme vous voyez, voilà, voilà, ça y est, je le savais, je le savais. L'épouvantail ne sait pas quand parier ou quand se coucher. Nouvelle manie, perdant. Ah, il a pas perdu des sous, oui, c'est juste plus de chances de perdre de l'argent au jeu. Donc toi, tu n'iras plus jouer. je veux garder mon argent. Et son stress a diminué de 55, c'est cool. Mais ça va pas diminuer au maximum, ça c'est pas cool par contre. Donc on a débloqué la forge et la roulotte, ça c'est bien. Et on a débloqué des objets. Donc pendentif sanglant, 30% de probabilité à capacité de saignement et ça... Plus 30% de résistance au déplacement, plus 30% à la capacité de déplacement et moins vitesse, ouais. Ok. Ça va, c'est cool. Ça, on peut le vendre, hein. Mais j'ai 20 000, donc là, c'est très très bien. Et bah voilà, c'était un petit épisode, un petit donjon. La prochaine fois, on fera la... Ah, je peux toujours pas... Si, on fera la futaille. Et après, je suppose qu'on pourra faire la tanière et la crique. Donc, on fera ça les prochaines fois. Hein, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, hein. Dites-moi donc si vous voulez que je fasse un let's play, donnez-moi des commentaires, hein. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de ça, dites-moi ce que vous pensez du jeu, n'hésitez pas à venir me parler, moi j'aurai toujours un grand plaisir à parler avec vous. Merci à tous, bisous, bye bye!